Dans cette vidéo de formation de l'évaluation canadienne du savoir-faire physique, nous verrons comment mesurer la flexibilité en utilisant le test de la flexion du tronc. Équipement requis pour mesurer la flexibilité. Espace de plancher suffisamment grand pour que l'enfant puisse s'asseoir, jambes allongées. Flexomètre pour flexion du tronc, avec la surface pour les pieds située à la marque du 26 cm sur l'échelle de mesure. Échelle de mesure qui s'étend de 0 à 70 cm en palier de 0,5 cm. Tapis de sol. Placez le flexomètre sur un tapis au sol. Stabilisez l'échelle de mesure du flexomètre pour que la marque du 26 cm se trouve vis-à-vis la surface des pieds. Démontrez l'étirement du sauteur de haies modifié comme échauffement. Demandez aux participants de retirer leurs chaussures, mais de garder leurs bas. Pendant la démonstration, ne dépassez pas vos orteils, mais faites semblant de fournir un effort maximal. Dépasser les orteils pourrait décourager les enfants moins flexibles ou les encourager à tenter d'atteindre votre performance en pliant leurs genoux. Démontrez la procédure en fournissant les explications suivantes. Assis-toi sur le tapis, les jambes allongées, droites devant toi. Place tes talons à plat sur la plateforme et pointe tes orteils vers le haut. Ne laisse jamais tes genoux plier, même un petit peu. Place tes bras droits devant et mets tes mains l'une par-dessus l'autre. Penche ton corps vers l'avant lentement, le plus loin possible sans bouger tes genoux. Garde la position et compte jusqu'à 5. Notez la lecture en centimètres au demi-centimètre le plus près, après 2 essais. Le résultat final est la valeur la plus élevée obtenue lors de l'un des 2 essais réussis correctement. Répétez le test si les genoux ont plié ou si le participant a fait un mouvement saccadé vers l'avant. Surveillez ses erreurs communes. Gardez ses souliers. Mains côte à côte. Poussez. Ne pas tenir la position pendant 5 secondes. Genoux pliés. Visionnez les autres vidéos de l'évaluation canadienne du savoir-faire physique.